Les moines m'ont dit que vous arriviez par les rails des précurseurs. Bel ouvrage, n'est-ce pas? Les précurseurs s'en sont servis pour créer le monde il y a des millénaires. Ils s'enfoncent dans les entrailles de la planète. On dit que c'est ici que les anciens attendaient pour offrir un incroyable pouvoir aux plus méritants. Je vais sauver le monde avec ce pouvoir. Exactement comme Mar. Ouais, vous vous êtes bien débrouillé jusque-là, laissant les Metalheads détruire le palais. Oh, tu te trompes sur toute la ligne, mon petit. Notre temps est compté, Jack. Cette lumière dans le ciel, tu sais ce que c'est? C'est un vrai cauchemar et la fin est proche! Il fallait que j'accède rapidement aux catacombes. C'est pourquoi j'ai moi-même attaqué le palais. Ce sera notre petit secret. Vous débordez de surprise. Et toi, tes connoirs! Toi et ton rat êtes des abominations! Mais bientôt, la planète sera débarrassée de ce fléau. La lumière pure régnera dans l'univers. Et je serai le porteur de cette lumière qui illuminera le monde entier et en chassera toutes les ombres! Excuse-moi, conte vulgaire! C'est Vegueur! Ouais, c'est kiff-kiff. C'est pas sympa des fois de s'allonger à l'ombre? T'aimes pas ça? Regarder les poulettes se dandiner dans leur super mini-bikini, tu vois le genre? Quand elles se trémoussent, j'en ai le queue qui me picote! Silence! La purification du monde commencera par ton éradication! Vermine! Je détiens maintenant le grand pouvoir des anciens! Et cette fois, les précurseurs n'auront pas pitié de vous. Pour voir dans quelle galère on va pouvoir s'embarquer. Hé,
J'ai trouvé de nouveaux amis qui vont m'aider à conquérir cette misérable planète. Tu parles avec les créateurs noirs ? On dirait que mon hologramme peut communiquer avec ces pauvres esprits torturés assez facilement. Oh, ils sont comme toi et moi, Jack. Enfin, comme moi. Ils veulent une maison, un ami sur qui compter, l'éradication de l'écran blanche. Ils ont proposé de me donner un coup de main à sortir cette pauvre planète de la misère. Tu vas avoir une grosse surprise. Les créateurs noirs ne sont pas très réglo. T'as qu'à demander aux Metalheads. On m'a offert de maîtriser un pouvoir que les précurseurs eux-mêmes ne pouvaient pas contrôler. Pas de panique. Vous ne serez plus là pour voir ce que je vais faire de ce petit monde. Un gros caillou, une boule puante géante, ou rien du tout. Le néant total. Pas facile de choisir. Je te laisserai pas faire. Je suis... Thank you.
ces horribles engins se réveillent, adieu planète. Ces créateurs noirs sont nuls. Vous imaginez un peu. Je t'aurai, Errol. Même si je dois mourir. La ville. On doit la défendre pour Damus. Dernière mission pour Jack et l'Hitler Orange. On y croit, mon pote. Jusqu'au bout.
Thank you.
ainsi à tous les braves gens de cette planète. Onin, Samos et les autres. Votre force et votre sagesse en ces temps obscurs nous ont donné une raison de lutter. Ma vie tout entière, je l'ai en fait passée à rechercher une bande de boules de poils. Onin dit que c'est un grand jour pour l'univers. Jack, tu es le plus grand de tous les héros. Tu es parvenu à vaincre les créateurs noirs et ensemble, nous allons gagner cette guerre. Et n'oublie pas, de nombreux défis t'attendent encore dans le futur. Dans le passé? Oui, oui, j'y viens justement. D'autres aventures. J'ai déjà entendu ça quelque part. Nous avons besoin de héros comme toi pour nous aider à protéger l'univers, Jack. Alors appelez-moi par mon véritable nom, celui que mon père m'a donné. Mar. Attends, Jack, c'est Mar. Le Mar? Alors viens, Mar. Rien ne vaut le présent. Tu viens, Dax? Non, j'ai tout ce qu'il me faut ici, mon pote. Mais si t'as besoin de moi, et tu auras besoin de moi, tu sais me trouver. Oh, Daxter! Mon petit héros! Nous te devons beaucoup, Daxter, pour tout ce que tu as fait. Pour le courage dont tu as fait preuve face au danger, nous allons réaliser ton vœu le plus cher. Vous savez, j'aurais bien besoin d'un super pantalon, comme le vôtre. Ah, ça en jette! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Je te conseille de bien réfléchir. T'inquiète, chérie, tu vas t'habituer. Oh, il va peut-être falloir que tu te rases un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Hé, hey, merci pour tout, partenaire. Tu es un super-héros, Daxter. Ça, ça va être génial! Ils croient que je suis un dieu! Et ils ont pas tort! Notre héros! Hein? Ça va être un très long voyage. Où est-ce que tu vas comme ça, le morveux? J'ai décidé d'embaucher un assistant et ta candidature a été retenue. On va faire une super équipe. Mais m'énerve pas, ok? Tu es prêt, Jack? Nous avons quelque chose à te montrer. Quoi? L'univers. Je peux pas te laisser, Dax. Avec toutes les aventures à venir, tu tiendras jamais le coup sans moi. Ah, on forme une super équipe! Ah ouais, pour la prochaine aventure, c'est moi qui serai le chef. Top là, mon pote. Ha! Je t'ai eu! Ouais, la vie est belle.